Bonjour tout ami nous yo et ou même tout qui branche Chanel là pour la première fois. Bienvenue dans le troisième numéro dans la série émission Chanel Haïti Info Santé en présenté sur maladie gastro-entérite Haïti Moon. Je vous rappelle nous dans la deuxième émission, dans la série de missions, nous avons présenté ce sujet ça avec Dr. Marjorie Pierre. Nous avons des moyens de prévention. Yo. Traitement qui existait, qui examen médecin a demandé ou a fait pour yon ti moun. Et puis nous te tout, est-ce que maladie gastro-entérite là, c'est une maladie qui grave en pile pour ti moun. Si vous pouvez regarder l'émission, ça yo, moi invite ou à regarder yo kounya même. Ou à juste cliquer sur le petit boule qui paraît à droite écran en l'air. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons voir ensemble. Est-ce que ça kan rive yon ti moun ki gen gastro-entérite ka vini tro ta ka pediat? Ki premier jes yon paran ki parete tro pre kote ki gen l'hôpital ka fe si ta remake ti moun nan gen gastro-entérite? Et puis finalement nou pral wè tou, est-ce que réhydratation ki se yon nan élément important nan traitement maladi sa pa kon fèt mal? Bonjour docteur Marjorie. Est-ce que ça kan rive yon ti moun ki soufri gastro-entérite kon rive tro tard kay docteur? Oui, nou kan jwenn ça et m pense m so di ou ça que ti moun yo kan rive bon pas trop souvent mais des fois nan urgence surtout parce que parents yo ou bien dans l'hôpital yo depuis yo rive yo ti moun nan mal li pa ka kembe kòl li gen diare yo rive avèl nan urgence droit. Et le temps pour nous qu'on guette à chercher et dit qu'on difficile pour mettre sérum dans pour tout et le temps pour faire toute démarche si mon n'en pas attendre les guettant mourir là ça les mourir en état de choc parce que la quantité liquide là m'te mettre accent sur ça passé depuis quantité sans diminuer dans organisme gien organe noble par exemple cœur cerveau rein yo pas qu'à fonctionner en état de choc. Donc là ça nous parler de choc hypovolémique, là c'est liquide ou perdu. On connaît le système santé nous en pas bon ici, pas trop prend en compte question distance santé nous ou bien l'hôpital. Des fois un parent qui habite loin et un centre de santé. Si ça t'arrive la nuit, si mon nan gen yon gros diarrhée, qui ça un parent qui a fait comme premier chef docteur? Ma rappelle nous que depuis un petit monde donc il va la pour grand monde tout. OK? Donc mais comme c'est petit monde depuis un petit monde, les gens jare et ceci même si petit monde là, li soulet maman, petit monde là, li capable boire sérum oral ou bien pédialyte, ça pas déranger allaitement en aucun sens. Et m'a tout profiter dit maman yo, nous capable bay petit bébé au sérum oral tout ou bien pédialyte. C'est pas nous même qui pour boire ce moral là le ti moun yo gen diarrhée mais pour l'autre ti moun qui plus grand au moins encourager nous des petits moun nan gen diarrhée c'est ce moral là pour nous ba yo c'est pas ba yo jus goyave c'est pas ba yo thé c'est pas ba yo l'autre médicament que nous kon ba yo c'est ce moral là nous encourager yon ti paquet ce moral n'a mettre le nan yon litre. Ou du moins tout, nous capable acheter pédialyte si nous ouais ti moun nan pa vle boil en attendant nous chercher l'hôpital. M'a rappelé nous que si nous ouais nous bay ti moun nan se moral la, li vomit. Si ti moun nan li boit yon gorgé de l'eau, li vomit, c'est aller l'hôpital pour mettre l'estomac li au repos parce que même sou bal se moral, même sou bal pédialyte, liquide la perdu, li pa remplacé et li capable sortir de yon déshydratation qui légère. Pour passer en déshydratation sévère et li capable river l'hôpital la pita et plus li river pita li capable compliquer ti moun nan li capable mourir par déshydratation sévère état de choc. OK, donc nous encourager nous bay ti moun yo vaccin yon l'autre élément moins oublié de nous. Donc si par exemple nous nan nuit nous pas bien sérum moral nous pas ka sorti nous en côté qui reculer nous capable faire sérum moral faire maison
Donc, comment nous préparer? C'est un litre d'eau et puis 4 cuillères de sucre et puis une petite cuillère à café de sel. Nous mettons, nous baissons en attendant, nous chercher par quel sérum moral il y a besoin ou bien nous baillons au pédialyte. Moi, j'aimerais nous faire un petit retour sur la question celle-là parce qu'elle est très importante. Pour nous, tu as parlé plus de ça. Il y a des gens qui font plus que 3 selles liquides dans une journée. Est-ce que ça n'a pas qu'à cacher l'autre maladie que gastro-entérite là? Donc, par exemple, si bébé qui sous lait maman seulement, il y a une diarrhée physiologique. Donc, là, nous avons une diarrhée physiologique. Donc, à cause que c'est lait maman la prend, ça qu'on fait aux toilettes souvent. OK, donc yo kon passe plus sel par rapport à un petit monde qui boit et lait maternise ou par exemple similac ou bien en famille. Donc laissez lait maman, m'a tout font une promotion pour lait maman maternelle. Forme de ça est difficile pour petit monde nan gen diarrhée parce que pas gen préparation biberon. Donc li difficile pour petit monde nan ta prend microbe et lait maman tout, li gen de substances là-dedans qui protège petit monde nan pour le ta faire diarrhée ou bien pour le ta gripper ou bien pour le ta gagner un autre problème. Donc mais même si on petit monde sous lait maman nous pas encourager pour nous dire sous elle a payé des passe un paquet de sel liquide pour pas venir l'hôpital mais laisse à nous-mêmes en tant que pédiatre nous-mêmes en tant que professionnel de la santé nous gagner l'autre et paramètres nous capable prendre en compte pour nous capable connaître est-ce que vraiment petit monde li gon vrai diarrhée ou bien est-ce que c'est juste parce que li sous lait maman qui fait li gen diarrhée. Nous connaît que gen ti moun qui pa jamais gen chance boire lait maman yo, c'est lait boîte yo toujours boire. Ça qu'arrive que c'est parce que maman pa gen lait ou bien li pa ka allaiter. Lait ba ti moun yo lait nan boîte là. Est-ce que ça qu'arrive j'ai ou préparé lait là capoter microbe qui ka baye ti moun nan gastro-entérite ou bien qui ka baye ti moun nan diarrhée. Donc par exemple nous gen plusieurs lettres. Donc bon nous pas fini trop vle rive nan cité non mais n'a fini par cité non quand même. Par exemple nous gen similac, nous gen famille, nous gen aussi, nous gen galia, nous gen modilac. Donc oui, nan mode de préparation lait maman, donc ti moun nan ka gen diarrhée. Donc non seulement moun ka lave biberon yo, est-ce que mel propre, comment yo lave biberon yo, tout ça. Donc li facile, donc pas oublier ta lè m'ta parle non de jan moun ka pran diarrhée. Donc c'est contact mais qui pas propre, qui man un objet et puis objet ça ou al mette nan bouchou ou bien men ou al mette nan bouchou. Donc nan lavage biberon yo, donc si microbe déposé là-dedans ou capre dans mode de conservation lait là tout OK s'il est pas bien conservé donc il est capable gagne microbe donc qui fait que ti moun nan gen diarrhée. Mais il y a un aspect qui est très important pour ne pas oublier c'est que toute lait qu'a vendu on te cité non yo yo gagne un mode de préparation. Donc si maman il pas bien préparé lait là donc lait là capable trop concentré trop dilué ça capable faire que ti moun nan gen diarrhée. Si m pran par exemple similac en famille lait yo sorti et aux États-Unis c'est lait qui sorti en Amérique. Donc lait ça au mode de préparation c'est yon mesurette de lait pour 2 onces d'eau. Et si par exemple m pran lait qui sorti en Europe par exemple Galia, Natalia, Nancy, donc lait ça yo donc yo même c'est yon mesurette lait pour yon onces d'eau. Dans ce sens, docteur Marjorie, l'important en pile pour un parent, bien garder les gens ou préparer l'aide là avant de commencer à faire des choses. Oui, oui, l'important pour garder. Et donc, c'est ça qui fait tout. Donc, là, on a un petit bébé, un petit monde, l'important pour suivre avec l'hôpital. Ou bien que ce soit dans la clinique, ou bien dans un centre de santé, ou bien dans l'hôpital. Parce que tout ça, au début, on a à l'hôpital, il dit, besoin ba petit mon lait même si mon nan gen tan kon type de lait yo déjà mode de préparation gen doit échapper et puis des fois li gen doit li boîte là tout li pas comprendre. Donc toute lait yo gen un mode de préparation
qui pas vraiment difficile. N'a fait un petit retourner sur lui qui c'est un moyen pour combattre diarrhée. Est-ce que ça quand arriver réhydratation qu'on pas fait bien? Bon oui, des fois réhydratation li kon mal fait. Ça qui fait li kon plus mal fait, c'est pas que ti moun nan boit trop parce que pas oublier et c'est ça qui fait c'est un moral là ou bien pédialite là. C'est pas voir oral yo plus préconisé pour nous faire réhydratation. À moins que ti moun nan la peur de vomi ou bien gon déshydratation sévère là ou obligé passer. Mais on dit quand ti moun nan bien ou passer par voie orale là, ça veut dire dans bouche li. Pour qui ça? Parce que ti moun nan pa blie l'estomac. Même jan nou même si n'a manger, si n'a boire de l'eau, gon kote ou rive ou santi ou degré de satiété ou pa ka prendre encore. Donc c'est ça qui fait li pa jam ka prendre trop, c'est au moral vraiment parce que depuis vent li plein, li santi li pa capable encore, li pa prendre. Li difficile pour li prendre trop. Mais ça qui fait moi dit que yo kon mal réhydraté, c'est parce que des fois yo mal préparé ce moral là. Joue d'eau pour faire dans 1 litre d'eau. C'est un baillon bien préparé pour ça, c'est deux gros bouteilles cola qu'on mange ou bien trois petites bouteilles cola. Donc il y a deux parents qui compte préparer le gens au vle. Donc si on mettait trop d'eau, nous dit que les trois dilué. Si on mettait trois petites d'eau, nous dit les trois concentré. Là des fois il compte baï petit problème ou qu'on voit que petit monde arrivé petit pied ont petit gens enflé parce que l'homme était trop d'eau. Sodium là qui là dedans. Les vinotis gens trop dilué donc nous pas ca remplacer perte sodium là vraiment j'en pour le temps remplacer et le ou fait trop concentré donc sodium potassium chlore ti mon vinotis gens gagne trop dans sang li. Nous arrivons en fin émission nous pour jodi an. Merci à tout le monde qui t'ai prend temps pour regarder vidéo ça. N'a ba ou rendez-vous pour une quatrième partie dans série de vidéos ça yo sur sujet ça. Côté nous prendre ensemble l'autre question qui est important sur sujet ça. Merci, restez branché Chanel Haïti Info Santé pour informer vous sur toute information sur la santé. Au revoir, à la prochaine.